Il y a pas mal de choses qui, euh, qui se mettent en place actuellement dans ma vie. J'aurai l'occasion de, de vous en parler durant ce mois de décembre. Mais il y a euh, quelques années, j'ai arrêté mes études pour me mettre à plein temps donc sur mon activité en ligne, pour créer des formations, pour m'occuper de l'espace pour faire ces vidéos-là sur YouTube. Et lorsque j'ai dû expliquer à ma famille que j'ai arrêté mes études, étant un penseur introverti, j'ai dû du coup débattre et expliquer les raisons de mon choix euh, aux personnes de ma famille. Parce qu'ils m'ont demandé pourquoi est-ce que j'ai fait qui m'ont demandé pourquoi est-ce que je faisais ça, est-ce que j'étais sûr que c'était une bonne idée, etc. Et j'expliquais pourquoi est-ce que je faisais ça. Dans ma tête de TI, c'était extrêmement logique et j'avais mes raisons qui me paraissaient être, être bonnes. Ça a un peu donné lieu à des débats interminables parce que dans ma famille, il n'y a quasiment que des penseurs. Il y a juste une de mes sœurs qui est une, une FI, je crois et ma mère aussi F et du coup c'était débat 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 oui mais si oui mais ça est- ce que c'est logique est-ce que c'est la meilleure idée? est-ce que ça marche bien etc etc Quelques années plus tard ça a été autour de ma compagne de prendre une décision du même style et elle étant une F elle a eu une approche assez différente. Quand elle a dû expliquer, elle a simplement expliqué que ce n'était plus ce qu'elle voulait faire, ce n'était plus ce qui était important pour elle, ce n'était plus ce qu'elle s'imaginait faire de sa vie, etc. Elle a parlé de ses valeurs, de ce qui était important pour elle. Et j'ai réalisé effectivement que les penseurs, moi y compris du coup, ont tendance à ne pas se rendre compte que parfois, derrière toutes leurs raisons et toute la logique qu'ils vont chercher à expliquer, ce sont en réalité des raisons du coup beaucoup moins... Raisonnables. Ce sont bien souvent en fait juste des sentiments qu'ils vont couvrir sous une couche épaisse de logique et de raison apparemment factuelle et apparemment réfléchie, alors que ce n'est que de la justification de décisions euh, qui viennent de leur cœur hein, en réalité. Parce que lorsque j'ai arrêté mes études, même si mes raisons étaient très bonnes, c'est juste que ça ne m'intéressait pas, je ne voulais pas faire ça, et on me rétorquait, oui, mais c'est toujours une sécurité, et je rétorquais, oui, mais il n'y a pas besoin de sécurité si on n'a pas peur. Euh de rater parce que si je suis clochard je, je suis prêt à affronter cette chose là donc je n'ai pas besoin d'avoir de sécurité si ce n'est pas quelque chose qui me fait peur d'échouer etc et blablabla et, et, et on parlait et on parlait mais la vraie raison de fond c'est juste que ça ne me plaisait plus non plus sauf que c'est pas du tout comme ça que je pense dans ma tête surtout les penseurs introvertis qui vont vraiment lier leur identité à leur pensée mais effectivement la vraie raison c'est juste que ça ne m'intéressait plus je n'avais plus envie ça ne me parlait plus tu vois ce que je veux dire c'est quelque chose de beaucoup moins rationnel et parce que c'était quelque chose que je voulais, alors j'étais capable de faire ensuite en sorte de faire marcher la chose, quoi, et de trouver des solutions aux problèmes que je vais avoir. Et à la base, malgré tout, donc c'était bien ce, cette décision-là qui n'est pas une décision de penseur, mais une décision de sentimental. Et ensuite, la pensée va me permettre donc de résoudre les problèmes et de trouver des solutions et tous ces trucs-là qu'aiment bien faire les penseurs. C'est vraiment drôle parce que énormément de penseurs ne se rendent pas compte de ça et du coup se perdent dans des débats, dans des débats, dans des débats sans se rendre compte que la réelle raison, ce n'est pas une raison qui est logique, ce n'est rien de tout ça, c'est juste leur, leur fonction de sentiment, que ce soit Fi ou Fe, mais en tout cas, c'est juste leur fonction de sentiment qui est du coup inférieure qui leur fait prendre une certaine décision. Que ce soit chez les TE ou chez les TI, ils ne vont pas en avoir conscience. Ils vont justement se mentir à eux-mêmes en essayant de trouver de bonnes raisons. Alors que c'est justement se mentir à eux-mêmes, quelque chose que les penseurs détestent faire. Ils essayent toujours d'être honnêtes et de trouver la vérité, etc. Mais parfois, la vérité ne se trouve pas dans notre cerveau, mais dans notre cœur. Voilà donc la différence entre F et T, et surtout ce que ça fait quand on a F comme fonction inférieure. Et d'ailleurs, si vous voulez trouver... Définitivement et en ayant les bonnes méthodes, votre personnalité, savoir par exemple si vous êtes un penseur ou un sentimental ou sensitif, intuitif, etc., et trouver tous les éléments de votre personnalité, j'offre seulement jusqu'à minuit ce soir la formation Trouver sa personnalité qui est une de mes formations les plus demandées. Il y a près de 200 personnes qui ont profité de ce cadeau qui est offert et c'est les dernières heures. Pour en profiter, si vous voyez cette vidéo après minuit, ce n'est malheureusement plus disponible, mais restez bien à l'affût car ce mois de décembre va être assez chargé et bien d'autres surprises arrivent. Prenez soin de vous, à très bientôt, salut